Salut à tous, c'est Linkos, bienvenue dans ce 45e épisode de Pokémon Bouclier. J'espère que vous allez bien et je ne suis pas seul, et oui, je suis avec Raph et Thomas. Hein. Coucou à vous du coup. Salut. Ah bon? T'es avec nous? Soyez C'est nous qui gentils. sommes avec toi plutôt. Bah ouais, mais les deux marchent aussi. Bon, bref, c'est vrai. Du coup. On va faire direct Dynamax, tout ça, Gigamax. On va se faire plaisir, comme le précédent épisode que j'avais fait, mais là, je ne suis plus seul, super. Donc, du coup, je vous propose un raid de Taignon 4 étoiles. Est-ce que ça vous dit? Oh, en plus, je crois qu'il me le faut. Ah, bah super. Taignon, c'est pas mal, ça. Bon, c'est un petit raid de 4 étoiles, mais au moins. Moi, ça me permet de farm pour les DT, tout ça, les objets rares. Oh, Astronel. Moi, j'ai besoin de bonbons, donc tant mieux. Bon, allez, let's go, prêt pour le raid. Vas-y. Hop. Après, peut-être que quelqu'un d'autre peut venir, mais. Non, il faut qu'il ait le code, du coup. Ah, bah oui, c'est vrai. Eh bien, c'est parti pour un Astronel aussi, pour moi. Bon, je vais rester sur Togekiss. Let's go. Ok. Oui. Putain, je connais pas Astronel. Je sais pas s'il est bon. Il est bon spécial. Mais du coup, pour le Dynamax, comment ça va marcher? C'est que moi qui peux Dynamaxer dès le premier tour, c'est ça? Bah, je pense, premier tour, c'est toi. Et si tu fais pas le premier tour, genre, il y a une tournante. C'est chacun son tour, ouais. Bon, allez. Voilà. Du coup, toi, t'es le premier, ensuite c'est Thomas, ensuite c'est moi. Bon, je suis au niveau 50, ça devrait aller, je pense. Allez, Dynamax. Oh, okay. Hop. Let's go. Et du coup, vous voyez ma gueule. Eh ouais. Oh, le typo. Enfin, vous avez vu l'annonce là d'aujourd'hui avec avec le Ronflex. Mais ouais, le Ronflex qui est dispo. Il y a une vidéo YouTube, je pense. Ouais. Mais il y a une vidéo sur YouTube où il y en a beaucoup. Enfin, ils ont été voir dans les sources du jeu et ils ont. Trouvé beaucoup plus. Voilà. Genre il y avait Ronflex. Bah il y avait le Pokémon que vous avez là. Et, ouais, Astronel. Ah oui. Ouais. Et il y en a d'autres, mais il faut que j'aille voir. Je les ai tous. Aïe. Bon, ça va. Je pense que. Enfin, je les ai tous sauf un. Miasmax. Ils sont disponibles. Ouais. Miasmax, il a un Gigamax. Bon. Ah, ça fait mal. Ça va encore. Oh non, Pikachu! Aïe aïe aïe! Oh, si tu peux pas réaliser. Bon bah, du coup, c'est parfait parce que je vais. Bah là, le Shopsy, là, il va me défoncer sa lance. Attends, j'ai pas encore attaqué, il me semble. J'ai pas fait attention. Déjà... Ah, ok. Bon bah, let's go. Ouais, bah, pff, facile. Il l'avait déjà mis oui. De l'aide avec un choc psy, donc bon. Let's go. Bon, j'avais pas de Taignon. Let's go. Hop. Bon, on va essayer de le capturer ouais. Aussi. Moi, je l'ai déjà. J'ai juste les bonbons, moi. Bonbons pour les trucs, pour les enfants. Je sais pas s'il va être ajouté via une mise à jour, le Ronflex. Ouais, ça peut être ça. Ou quoique... Wow, bah non, 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 pas sûr, hein. Pas sûr que ça soit une mise à jour, hein. Ça sera juste par connectivité, hein. C'est tout, hein. Ils le mettront comme ça, en mode dispo. Close combat sur puissance sur la sphère. Ah ouais, oh putain, pas mal, hein. Pas mal. Pas mal comme DT. Ah ouais. Putain, j'ai somme hier, j'avais Taignon, mais il n'y avait personne. Du coup, alors... Taignon, c'est point formidable. Ok. Ah, c'est pas Taignon, c'est Capoeira. Ah. Voyons voir son petit résumé. Oh, plus défense P, moins attaque P, c'est très bien ça. Oups. Ouais, c'est une bonne. Je vais changer de Pokémon et j'ai envoyé le raid avec un Pokémon qui.
Bon, allez, l'envoyer dans le PC. Hop. Allez, en plus, on peut pas faire, je crois. Bah, du coup, n'hésitez pas si vous avez des raids intéressants aussi. J'ai un tritosaur, si vous voulez. Je voudrais bien, mais attends, il faut que je vois si je peux pas fuir le combat. Bah, j'ai retrouvé le pourquoi raid. Pas. Alors, voyons voir. Ouh, c'est un crustabri. J'ai un crustabri 5 étoiles. Je l'avais aussi que crustabri. Fuite impossible, mais punaise. C'est comme vous voulez. Permets-moi de fuir. Bah. Merde, classe. Pris crustabri. Attends, est-ce que je l'ai déjà crustabri? Je vais regarder. C'est pas grave, j'ai tué pour Chardine. Je pense pas que je l'ai, mais bon. Trier par. Ordre alphabétique, alors, crustabri. Moi j'ai un petit problème, ouais. Ah j'ai non, voulu, je l'ai pas, ok. J'ai voulu quitter un raid, mais j'ai fait lancer le combat. Ah, t'as lancé le combat, Raph? Ouais, et je peux même pas fuir en fait. Putain. J'aurais jamais cru tomber sur un Lucario, le Raph. Surtout qu'apparemment il doit être. Il a pas beaucoup de chance de pop, du coup. Ah ouais. Bon bah du coup, je vais essayer de tuer le premier. Oh là là. Horrible. Je vais essayer de retrouver le raid. Ok, capturé. Faire un Pokémon en plus. Hop. Ah non. Ok, bon. C'est Riflor. Bah tu dis Raph quand t'as fini. Bah, cherche des Pokémon en attendant parce que là. Oui, mais bah, t'inquiète, je fais des petites captures en attendant. J'ai trouvé le Tritosaur. Je m'y rends et je le lance, tu vois. Ouais, bah ok. Oh non, mais Melo. Si du coup je lance le trou ou pas? Ouais, ouais. Bah, vas-y, bon. Faites-le en attendant. Ouais, on peut alterner comme ça un petit peu. Ça peut être bien. Alors. 357. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Voilà, c'est bon. J'arrive. Je change juste de Pokémon et let's go. Ah, Dratatin. J'ai pas l'autre. Ah, si, j'ai l'autre. Hop. Moi, ouais, je l'ai pas l'autre, justement. Je le trouve plus stylé en plus. Ah, il est lourd. Il est lourd, il est lourd. Voilà. Ah, le Gédéon. Eh oui. Eh oui, il est devenu grand. Eh oui. 5 étoiles. C'est devenu un gorille. Allez. C'est parti. Je vais te laisser Gigamax, toi, Lucas. Bah, comme tu veux, hein, enfin. Bah, sauf si je le fais avant. Bah non, c'est moi qui suis l'autre, du coup, c'est moi qui peux choisir si je Gigamax. Après, j'ai une salle. Ouais. En fait, si tu Giga, enfin, si tu Dynamax pas, après, c'est à moi de le faire. Parce que c'est dans l'ordre de. Bah, Raph, tu peux le faire, hein, du coup. Si okay, Thomas veut. Bah, vas-y, je vais Gigamax. Là. Mais le truc, c'est que. Ah, ouais, tu. Ah, je veux même pas que je te montre la pomme pourrie. Non. Aïe, bon. Aïe. C'est ça. Même si... Mais le truc, j'aime pas le terrain herbu. On va y aller doucement, on va faire ça. Bah, ouais, le terrain herbu, c'est un peu chiant, ça récupère des PV à tout le monde, non? Ouais, c'est ça. Et du coup, même le Tritosaur va reprendre des PV. D'ici en ce qu'en plus, il fasse un petit surf là qui nous mette tous un peu de dégâts. En plus, on a Sinistrail à côté. J'arrive. Phytomax. Oh, Choup. Je viens vous carrer. Elle apparaît. Putain, Raph, du coup, faut que je te raconte. Ouais, mais attends, mais là. Mais c'est pas grave. Mais c'est trop bien. C'est pas grave, Raph, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il a encore, ce faquin?
Non, j'allais juste te dire que tout ça, ce sera en vidéo. Ah putain, merde. Mais on s'en fout, Choup. Pas grave. Je couperai au pire au montage, t'inquiète pas. Linkos focus. Ah non, parce que j'ai vraiment passé la meilleure après-midi. Et il fallait que je raconte un truc à Raph, mais je le raconterai plus tard. Oui, bah normal. Tiens, ça même, elle sait même pas que c'est une vidéo de... Mais non, je ne le savais même pas. Ah bah, pourtant... Du coup, il va falloir que tu te présentes, hein. Dit. Bah non. Bah si, faut que tu te présentes, tu peux pas dire... Tu peux pas arriver comme ça et dire... Que je suis meilleur que Raph. Non mais... Voilà. Ça déjà, c'est faux. Elle est meilleure que Raph, mais c'est tout, hein. C'est tout. Ouais. Bah, j'arrive, non, mais ça pas été prouvé, quoi. Bon. Bah, tu vas rien carry. C'est même Pokémon qui carry. Ils ont pris cher, nos Poké. Ah non, c'est moi qui a pris cher. Pour changer. Bon, c'est pas grave. Bon, vas-y, c'est bon, je vais le refaire quand même. Ah bah, Raph, j'arrête de Morpeko. Bon. Ah! En attendant, je vais ajouter Thomas. Okay, ouais, il faut que tu ajoutes Thomas, sinon tu verras pas Lorraine. Ouais. Puis ouais, j'ai un Morpeko 5 étoiles là. Mmh. Oh. Allez, défonce. Tambour battant de Gédéon. Ah, mais quoi? Mais il a pris 0. Hein? Mais comment ça se fait? Eh oui. Mais il est niveau 100? Parce que les... Mais non, parce que les barrières, en fait, elles sont prédéfinies. Genre pourcentage de PV. Et même si tu fais genre des énormes dégâts au moment. Ouais, mais il y avait pas encore la barrière. Justement. En gros, si tu veux, la barrière elle fonctionne comme ça. Imagine là, tu vois, ton Pokémon il a toute la barre de vie et tu considères que c'est 100% des PV. Ouais. La barrière elle s'active à 90%. Même si tu devais faire une attaque qui enlève 100% des PV, tu bloquerais à 90%. Parce que la barrière va proc. Donc là, on devait être à 51% des PV, tu l'as descendu à 50%, et même si t'aurais dû faire plus, bah, t'as pas fait de dégâts, quoi. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Et une fois que la barrière, elle est là, par contre, après, tu peux faire max de dégâts, comme moi. Ah ouais, je vois. Bon. On voit ceux qui sont pas habitués, hein. Bah, écoute. Eh oui. Il faut bien un début faire, à tout. Des vidéos dans son coin, là. Et pas venir raid avec nous. Et après vous allez vous plaindre. Oh là là. Voilà. Je vais pas faire marteau bois parce qu'après je vais me mettre KO. Ben non. Allez. Yes, Ryptozor. Je sais pas si je l'ai. Hop, ne pas l'attraper. Moi je ne sais plus, mais je vais l'attraper quand même. Je peux lancer un Morpeko si vous voulez après. Bah, Morpeko. Pourquoi pas, je l'ai même pas pour Morpeko. Ouais. Du coup, Thomas, je t'ai envoyé une invitation d'ami normalement pour que tu puisses rejoindre après. Après le raid, je t'ai. NP. Et de 1, allez, rentre. Et de 2. Et de 3. Et voilà, attrape. Et oui! Bien yes. Joué. Allez, on va lancer une rapide pull. J'espère que ça alors... passe. Ah oui, 4 attaques. Très très bien. Comment on voit si on a des bons IV sur les il faut que... Pour les IV, en fait, il faut que une fois que t'as fini le jeu et le post-game, il faut que t'ailles à la tour de combat. Et la tour de combat, il faut faire 6 victoires et après tu débloques automatiquement dans le PC le juste IV. Ouais. Okay. 6 victoires donc atteint le palier 6. C'est pas le palier non, 6. Non, faut juste 6 victoires. C'est 6 victoires. C'est ouais, 6 tu, victoires, fais, pas, tu fais pas plus les 6 premiers combats et le boss. Et après, c'est bon. Le boss, c'est Tarak. Oui. Non. Allô. Ok. Bah, je l'ai déjà combattu du coup. Bah. Enfin, j'ai déjà battu. Et après, en fait, dans le PC, t'as juste à faire plus et ça te montre le truc. Je vais t'ajouter. Ah, comme ça, je lance ça juste après. Yes. Oh, Nikos, j'ai un raid de ouf là. Ah, t'as quoi? Un raid rond Grigou. Ah oui. Oh, mais non, le mien, force. Il est mieux. Bah, il est bon défensivement, mais après, il est trop lent.
Du coup, c'est quoi le cut que ouais, il vous est moche. utilisez? Faut cut. Non, on utilise 1357. Ouais. C'est Linkos qui nous a 3, donné ce 5, code-là. 7. Il est moins bien que le mien. Oui, bah, moins bien, moins bien. Ouais, Tout mais... est moins bien que toi. Oh là là. J'ai un raid Timoré. Terrible, après, si vous terrible. voulez. Du Un coup, raid je reprends. quoi? T'as dit quoi, Un Thomas? raid Timoré. Bah, Bah, tu sais quoi, après. Moi, je suis en Ouais. mode En vrai, on devrait Morpheko. retourner la vidéo plus tard et. Pourquoi tu penses que. Pourquoi tu Guy. passes là? Je rigole. Quoi? T'es sérieux Qu'est-ce qui se Vas-y, c'est bon, je rejoins ton passe? Morpheko. Vas-y, rejoins Morpheko. Il est électrique. Ouais, j'arrive. Il est électrique et tour d'après il est ténèbres. C'est pour ça, laisse-moi faire. Mais oui, mais non! Ah Si, merde, vas-y. mais je suis con, putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui t'arrive, Linkos? Mais Mais j'ai oui, pris le type 6, ça astro. tape pas Oui, le type ténèbres. voilà. Non, mais j'ai Mais pris oui, type Linkos. insecte parce qu'il est efficace contre le petit ténèbre, mais il est sensible au type ténèbres aussi. Le type psy. Donc, bon, ça a double tranchant, mais c'est pas grave. On va dire qu'on va réussir. Oh, Grodzil. ce double volant. Ouais, Le c'est fameux Grodzilla. Grodzil que C'est j'avais. Gilbert Grodzilla. Là, il est de type électrique, là. Enfin, Ouais. il est. Bon, du coup, tu veux Dynamax alors? Bon, allez, vas-y, je te laisse faire, c'est bon. J'ai fait l'âme de Ah, roc mais et non, je mais me c'est bon, lance. c'est bon, c'est bon, c'est bon! Ah, bah, ok. T'es J'avais sérieux, pas vu que là? j'avais Kalinri. T'es sérieux? Eh oui, j'avais pas vu que j'avais Kalinri. Bah, tu feras Kairi au prochain retour. Lame de roc, ok. Non, putain, il a déjà les barrières. Oh là là! Non, ok, 4, ça passe. Étincelle doucement. Ah oui, d'accord. Super. Paralysé, pas de chance. Oh bah ça, Waouh. bonne chose. Hein. Wow. Ouais, ce tour-là, il est électrique et prochain tour, il est ténèbres. Ah mais il est plus rapide que moi. Ah, du coup, il va me suivre prochain tour. Ultimawashi. Bourdon. Bourdon. Oui. Ah ouais. Oh, ces dégâts. Ah ouais, quand même. Ah! Pas de chance. Ouais. Là, il est type ténèbres. Ouais, là, il est ténèbres. Alors, séisme. Et bah du coup... Dynamax et Pécaninerie, hein. Bah, j'ai l'impression qu'il change pas de type en fait, il reste toujours électrique ténèbres. Parce que Non! ouais, mais je vois que Bourdon Mais c'est le toujours Bourdon, il a super. été. Ouais, Ouais, c'est Bourdon, super il était efficace le super. Bourdon. Donc, à Bah mon oui. avis, le ténèbres directement. Je sais pas, parce que normalement, il était. Enfin, sur les annonces, peut-être que ça a changé depuis, ça disait qu'à chaque tour, il switchait entre les deux types. Ouais, mais si ça dit des mauvaises infos aussi. Bah ouais. Aïe aïe aïe. Ça Je balance les sais mauvaises pour. infos. Attends. Après c'est quoi? Après ça connaît Pokémon. Ouais, bah, je connais quand même mieux que toi. On va aller voir sur Pokémon parce que c'est la valeur sûre. Un éléphant moche là. Non, il est fun. Arrête. Pokuracha. Il est très J'aurais moche. jamais dû te laisser Dynamaxer. Il est vraiment moche. Mais arrête, c'est les fun. Mais il est dégueulasse. Bon, ça va. Ah, ok. Alors je Son vais quand même Grodzilla, il sur. va pas taper. Classe Si, combat. Grodzilla, il tape toujours. La plupart de ces changements, nanana, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis sur le site officiel et je sais pas. Non mais il est type électrique ténèbres dès le début. Ouais bah ouais. Quand Morpheko est Putain en mais je mode fais que ça. Oh rassasié, là roue là là. libre est de type électrique, et quand il est en mode affamé, roue libre est de type ténèbres. Bah Et ça voilà. part de l'attaque. Ah, je suis au Oh il a bout. réussi à taper. Passe Bon alors bah du là c'est type bon il est électrique mort. au type ténèbres. Bah, je sais pas sur le site, ça a l'air de Il est dire qu'il passe mort. du type Oh! électrique au type ténèbres. Presque mort. Ah ouais, ok, Elephone! il a l'orbe vie ton truc. Eh oui. Bah c'est vrai T'es que c'est utile dégueulasse ton sur éléphant. Oh. Allez, jalouse. Il y a juste des Gigamax qui sont plus beaux, hein. Non mais c'est la jalousie tranquille. Comment ça, la Ouais, c'est jalousie? mon close combat est super efficace. Ouais, là, mon machin, il est pas très efficace.
et bah je vous emmerde. Tous. Hein ? Ah ouais. J'ai fait séisme. Pas très gentil. C'est pas grave, t'es paralysé, donc t'es plus lent. Mais... T'es plus rapide que ton Tachiraja. Terrible, ça. Pas seul, ouais, mais tranquille. Tachiraja... Il est que acier. Il est que acier, ouais. Acier. Je veux faire mon séisme. Et c'est fini le combat. Non, c'est fini le combat, là. Non, 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 Choup. Okay. Et voilà. Allez, Linkos. Allez. Moi, j'ai envoyé une de mes 999 Honor Ball. Moi, j'envoie des Hyper Ball parce que je suis pas sûr. Hein. Moi, j'y suis allé à la Pokéball. Au pire, Morpeko, ça lui va bien. Bah, il est noir et jaune. Hein. Morpeko, il lui faut la Master Ball. Et j'ai de 3... Capturé aussi. Je l'ai eu aussi. Bon, on l'a tous eu. Moi, je veux juste Easy. En fait. Ah, tonnerre fatal foudre. Oh oui, yes. Oh là là. Ah oui, il est bien électrique ténèbres. Bah alors, c'est mal indiqué. Eh oui. Ah, mais je l'avais déjà. Bon, c'est pas grave. Ah, il est jovial. Pas si c'est bien jovial. Attends, et moi, il est quoi? Il est... Ah, mais il est jovial mais... aussi. C'est le même en mais fait. En fait, on l'a tous. Ah, c'est même. Tous le okay. même. Ok. Ok. Comment on fait pour voir les IV du coup? Quand tu vas dans ta boîte Pokémon, tu te mets sur un Pokémon et tu fais plus deux fois. Et au bout d'un moment, t'as le juge des IV qui apparaît. Ah oui. Ah, il est 4 IV. Les Red Dynamax 5 étoiles 4 sont forcément 4 IV garantis. Oh, oui, j'ai un Rafflesia 5 IV. Et les Gigamax du moment, oula, ce donc, ceux que j'ai dit sur Discord, ils sont 5 IV garantis. Mm-hmm. J'avais un Rafflesia garanti, qu'est-ce que je raconte 5 IV, donc c'est pas mal. Ah ben voilà, maintenant je sais. Même faut juste un... Je peux lancer le raid... Ah oui, Dimoré, ouais. Dimoré, si vous voulez. Moi je reset un truc vite fait, du coup faites-le sans moi. Okay. Je vais juste voir une entre, après je regarde. Ah, j'ai un fourbelin 4 étoiles, pas ouf. Le petit Togepi de merde. Allez, c'est parti pour Gigamax. Hop, petite tête de fer. C'est en plus Togepi, il tape pas dans ce tour. Le pauvre. Non, ouais, Togepi il peut un petit peu heal, mais il est pas fort. Faut que je trouve un métamorphe 6 IV. Moi aussi. Après, t'as comment ça s'appelle? En échange, quand tu mets un certain code, t'as des gens qui t'échangent forcément des métamorphes. C'est vrai? Ouais. Mais ils sont pas forcément avec des bons IV, mais ils sont moins étrangers pour que tu puisses, admettons, faire du Masuda. Ah oui, j'ai besoin aussi d'un truc pour Masuda. En fait, tu récupères juste un métamorphe normal dans un de tes raids, et le code c'est 4-4-4-8, et les gens ils t'échangent forcément des métamorphes, mais ils ont pas des... Certains ils ont des bons IV, certains non, mais au moins ça te permet d'avoir un métamorphe étranger. Ah, parce que là j'ai déjà un métamorphe. Mm-hmm. Bon, pas trop. Et après les 6 IV par contre ouais, ils sont vachement rares encore. Déjà. Bah, il va aller vite en fait le dimanche. Ouais ça va. Après bon on a de bonnes attaques donc. Là normalement le Corvalius il va le finir. Hein. Bah j'ai une attaque combat dessus. Ouais Big Splash. Mais t'avais fait, t'avais fait autre chose, non? Et le d'acier? Non, j'ai fait Big Splash. Tête de fer, j'ai pas fait gaffe. Mmh. Ouais, si en plus ça... Armure miroir. Ok. Ouais, non, mais ce Corvalius, je pouvais pas avoir mieux en Gigamax. Ah oui. Let's go! Bah, super. Oui.
Non, je capture pas. Et t'es obligé d'échanger un métamorphe du coup si tu fais le code. Bon, je le capture quand même. Bah, les gens t'offrent des métamorphes, donc c'est mieux que toi. Tu, par exemple, tu prends un métamorphe de merde et tu l'échanges aussi. Ok. Parce que moi j'en ai qu'un et pour l'instant il a la pension. Je ferais ça peut-être. Parce que comme t'es pas garanti d'avoir des métamorphes avec des bons IV, faut tryhard un petit peu pour en avoir ne serait-ce qu'un avec 3 IV. Mais tu, par exemple, t'en reçois un, tu le rééchanges direct. Oui, c'est ça. Parce que là, j'ai un pote à la gifle, là, il en a eu un 6 IV ce bot. Oh là là. Pandarbar 5 étoiles. Ah, ça m'intéresse. Ok. Exécution, machination, provoque, ouais, c'est un peu nul. Ok, ok, bon. Et les bonbons Dynamax, c'est pour améliorer le niveau de Dynamax, hein, c'est ça? Oui. Ok, parfait. Par exemple, quand t'es au niveau 100, si t'as tous les bonbons au maximum, t'as plus 100% des PV. Et c'est que les PV, hein. C'est que les PV. Oui, c'est que les PV. Alors, dis-moi. Bon. Là, je vais open le Pandarbar. Oh, dis-moi, Ray 4 IV, pas mal. Ah, en fait, les étoiles, c'est le nombre d'IV. Ouais, vas-y, je vais venir pour le Pandarbar. Ouais. J'ai ouvert Pandarbar, normalement. Allez. Moi, je reset encore, là. Ah. Tu reset quoi, Raph? Tu fais quoi? C'est une surprise. Ah! De toute façon, tu l'auras, moi je l'aurai pas. Eh oui. Comment t'es né, Marathon? Ah bah, type fée, super. Il évolue au niveau combien, Furégon? 54, je crois. Entre 52 et 54. Ok. Putain, j'avais. Loul. Non, c'est pas ici. Bon. On va prendre lui. Hop. J'espère qu'il sera pas plus rapide que moi parce que. Ouais, non, tranquille. Bah, il est pas très rapide Pandarbar. T'es neutre au combat. Ouais, mais en gros, ouais, c'est vrai. Furéglon et j'arrive. Ok, bah il reste environ 1 minute 40. Ah bah là, j'ai l'animation d'évolution donc ça devrait. Ouais. Ça, oh va, oui, ça vite l'évolution. C'est un 5 étoiles celui-là ? Ouais. Nice. Bon. Mais sinon, j'ai un fermite 5 étoiles. Un fourbelin 4 et un. Comment il s'appelle? Un décélian de 3. C'est quoi un fourbelin encore? Ah, c'est l'évolution de Grimalin. Ah, c'est la pré de. En Goliath. Ouais. Ouais, bah c'est celui que j'utilise. De... Ouais. Allez, un KO en un coup. Ah oui, oh. Mais non, parce qu'il y a la barrière. Ouais. Non, ça va, il a que 4 de barrière. Ça va encore. Bah, c'est pas comme quand combat fait Kara 3 qui en ont je sais plus combien de barrières. 7. Ouais, voilà, 7. 7, oh là là. Et Kara 3 qui est con combat, file la proc dès le début du combat, la barrière. Tout ça part s'ils sont en défense et du coup ils ont. Ouais. Exactement. Ouais. Ok. Oh non, on y va. On se genre Stylix, il en a 6 des barrières aussi. Ah ouais. Melodelf, il en a combien aussi? Il y en a beaucoup, Melodelf. 5, je crois. Bah, Togeki, ça doit être 5 aussi. Ils sont pas dans ce jeu. Ouais, Togeki aussi, il en a pas mal. Moi j'ai eu la chance d'avoir Togekiss mais pas dans un raid. Ok, la barrière. Après, Melodelf il est chiant parce qu'il a beaucoup de barrières et ouais. Il a surtout Lilliput. Eh oui, cette attaque de. Bah... Merde. Ouais. C'est vrai, il attaque les bombes, on va dire. Même pas, je suis veste de combat donc je devrais bien tenir. Ah bon, c'est son deuxième round de rouge, non? Je sais pas si. Oula. Va se calmer. Allez, ça fait du bien.
Bon, ce tour-là, il a plus de barrière, il devrait peut-être tomber. Mm. Ouf. Oh. Adieu. Bon, au moins... ça va. Bon, après, il perd de la vitesse, donc c'est quand même... Ouais, c'est bon, il est fini, hein. Il a moins de 4 en défense spéciale. Oh, il a... En plus, il repère de le PV, parce qu'on s'est fini. Bah là, avec la magique... Avec la magique est choc émotionnel. Juste avec la magique, hein. Ah ouais, oh ouais, large. Bah, c'est nice tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il drop ? Exploforce complète balayage, big splash. 4 attaques, bien. Ouais. Allez. Vraiment trop facile, ces raids. T'apprends qui ? De quoi ? T'apprends que qui ? Non, mais je parle de... vous. Ah ! Ouais... Bah quand t'es pas là... Ça a de suite, hein. Non, ok, ok. Mais non, raf. T'inquiète, ça va aller. Non, mais tu vois, c'est pour ça que je vais jamais l'inviter en vidéo. Mais... ça sera coupé ou je ne sais pas, gros, je sais pas. Un giga quoi ? Papillusion. Coupe. Oh, je l'ai pas, Papillusion. Coupe. Eh, voilà, c'est compliqué. Je rigole. Je regardais, petit reste. Oh, c'est un 4 KB. Oh, c'est nul. Giga Papillusion, il sera 5 KB celui-là. Oh, il est malin. Capturer. C'est très bien ça. Giga Papillusion. Ça m'intéresse, Papillusion. Bah, c'est open. De toute façon, il va tomber vite aussi. Oh, je sais, Linkos. Oui. Qu'est-ce que tu sais ? Et quand le prochain Switch Combo Challenge ? Bah, il y en a plus en stock en fait, donc bon, faudra qu'on en refasse. Et Tube jouera cette fois-ci sur cette vidéo. Ouais, bien sûr. Ah, ça peut être intéressant. Quoi ? Voilà. Bon, bref, moi, allez, chute. On arrive. Je veux bien participer si on change la composition. C'est genre, faut faire dernier pour changer de combo. Non. Pourquoi ? Allez, let's go. Hop. C'est de la triche. Tu me dis quand tu fais des cellules, non ? Bah, il est que 3 étoiles et j'ai un raid violet encore que j'ai pas fait. Ouais, mais quand tu vas le faire, après, tu me le dis comme il me le faut. Ouais. Et j'ai la flemme d'échanger Broslome, là. Ouais, je pourrais te passer aussi le... Comment il s'appelle ? Le gigalite. Ouais ! D'ailleurs, j'ai des Pokérus, s'il y en a que ça intéresse. Ça fait quoi le Pokérus ? Ça double les bah, données. Ça fait, ils boivent de la vodka en fait en plein match. Putain. Les Pokérus. Non, ça double les OV. Genre, même avec les séminaires, tu as le double de V. C'est nice. En buvant bien sûr. Non, ça c'est. En buvant de la vodka, bien sûr. Ah, j'ai revenu ce Pokémon. Je reconnais, je l'ai déjà entendu. Ah bah ça tombe bien. Hop. Je connais son cri. De prendre mon tracite. Vas-y, ouais, j'essaie de deviner. C'est Papillusion. Bien joué. Putain, je suis trop comme fort. Si on l'avait dit quoi. Mais non, mais arrête. C'est pas vrai. Je vais emmerder tout le monde avec ma tempête de sable de toute façon. Oh, je sais. Oui. C'est chiant. Bah moi je suis tranquille avec mon Montracide. Donc... En plus ça vous augmente votre défense spéciale, non ? Ouais. Ouais, c'est défense spéciale. Bon là si je t'apprends en premier, je devrais peut-être le mid-bar. Oh, le coup de mort. Ah, très très bien Evoli. Très très bien. Pas mal. Grosse mid-bar. Ouais, hein. Oh, mais... Non, quand ils sont 4 étoiles, ouais, j'arrive à les mid-bar, mais les 5 moins bien. Ah, il a que 4... Coup de feu... Ah, mais attends, du coup... Voyons voir... Oh putain, le chien... Ah non !
Non mais tout le monde aura les effets. Doucement. Et c'est ça qui est ça paralyse, non? Ça paralyse, poisonne ou endort. Oh là là. Oh, ça va, j'ai le moins pire. Ah, très très bien ce Blue Rock. Ouais, mais ça casse qu'une barrière. Ah! Ah, bah c'est dommage ça. Bah, tu fais des petits dégâts de gratte au moins. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais quand tu casses la dernière barrière, ensuite après tu fais plus de dégâts. Donc, du coup, ça peut être utile. Ouais, bah, est-ce, après... que... est-ce que je fais vite. Ah non, il en reste deux. Oh, je suis paralysé. Bah. Moi je vais les péter là, les deux barrières, mais par contre. Non, mais sinon j'aurais fait genre. Je fais vitesse extrême, je pète la dernière barrière. Ah, bah c'est vrai que j'ai des. Ça, ton Gigamax, bah il peut faire beaucoup plus de dégâts avec les barrières. Ouais, mais juste après celle-là, il va reprendre la deuxième. C'est chiant. Bon. T'en fais ça. Genre juste après Nikos, normalement il prend que la deuxième. Ok. Le truc, c'est que là, il a une papillodance, là. Bon, il refait coup de main. C'est pas hyper dangereux non plus, juste avec une seule papillodance. Ouais, ça reste papillusion, quand même. Ouais, mais quand j'ai testé papillusion, il était là, je pense, le papillodance, il one-shotait tout. Enfin, non, papillusion, bon, là, de red pieu, là. Mon tracé, c'était tyrannosiphonnage, il va rien faire dessus. Mais... Ouais. Non, direct, ah, direct, putain. C'est chiant quand il fait des illusions, j'ai mal. Oh là 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 là, ouais, bah, je l'ai envie encore. Ah ça. Ok, bah oui. Tranquille, c'est pas le pire. Ah. Non, on se souviendra de sort silence. Ouais, putain, un sort silence par contre, ça s'ouvre. Bout de feu, ça va encore. En vrai, Raph, je pense que sort silence ce sera potentiellement pas le pire. Ah bon? Ouais, il y en a. Je te le dis en MP, mais il y en a, il a des effets horribles. Ah ouais? Mmh. Allez, encore. Très très bien ça. Oui, 5 fois. Mais ça fait toujours 5 fois ou... Enfin, j'ai eu de la non, chance. Non, c'est à toi. 2 et 5. Bah non, mais j'ai eu de la chance. Ouais. Souvent de la chance, je sais pas pourquoi, mais... tu comprends, Raph? Bah je me souvenais pas de ça, vu que je l'ai fait. Ouais, mais je sais pas si c'est la ténèbre ou l'autre. Mais faut avoir de la chance pour le passer. Aïe, le poison. C'est possible qu'après le tour là c'est fini, non? Oui. Oh oui, là. Enfin, je pense. Je sais pas, je me souviens plus de la barre de vie. Ben voilà. Ah bah, t'as... il faut plus s'en souvenir. Voilà. Voilà. Bon, je vais essayer de le capturer. Ouais, allez. Allez, Scuba Ball. Oh non ! Il est ressorti. Oh, il est sorti. Oh non. Et moi, je l'ai eu avec la Scuba. Ah. Bon, tu l'aurais même eu avec une Pokéball, hein. Ouais. Plécroix, Bourpoule, Megacorn, pas mal. J'ai regardé qu'est-ce qu'il avait. Ouais, pas ben... de surnom. Au moins, j'ai des bonbons. Non, non, il avait l'anti-teinté. Oh, il est modeste. Oh là là. Putain. Ah, bah attends. Je vais regarder sur les IV. Avec la chance que j'ai, il a 0 IV en attaque. Oh, mais non. Non, tu vas avoir de la chance. Je te jure, ça m'est arrivé sur un de mes gigamas, j'étais pas hyper contente. Eh ben, il a pas une bonne vitesse. Oui, mais c'est tant qu'il a une bonne attaque speed, c'est déjà ça, écoute. Mais oui, mais faut qu'il soit là, qu'il ait la vitesse. Ninkos. Oui. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Eh ben, Choup, pas de chier. Voilà, t'inquiète pas. Pas de chier. Loul. Oh, mais... Le pire Gigamax que j'ai eu, il avait la nature moins attaque et 0 IV en attaque alors qu'il tapait physique. Aïe aïe aïe, c'est un véritable coup dur. C'était, ouais, coup dur. Il avait pas le bon talent aussi, sinon c'est pas drôle. Bah, tu le mets à la poubelle. Non, je l'ai gardé. Tut tut.
Tu le donnes à Linkos, il sera un petit peu meilleur là. Pas tout de suite. Excavarène 3 étoiles, pas ouf. Il me semble que j'avais un crapustule 5 étoiles, mais il faut que je le retrouve. Ah. Là-bas, j'ai un Alors, hop. Ténéfix 3 étoiles. Oh, Ténéfix, je l'ai pas dans mon Pokédex. Et bah, je l'open. Oh, let's go. Je crois que j'ai pas dans le Allez, ça sera Joss. Bon. En vrai, je m'en fous qu'il soit 3 étoiles ou pas, c'est juste que je voulais. Let's go, Pidge. Tu viens plus, Raph? Non, je viens pas sur les raids de Choup. Mais. Il est terrible, terrible. Il est terrible. Bon. Non, pour l'instant, non. Je fais un autre truc. Ça prend du temps. Hein. Faut avoir de la chance, surtout. Ouais. Pour l'instant, j'en ai pas. Oh, joyeux anniversaire, Linkos. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me dis? Rien. Qu'est-ce qu'il... Ah oui, oh, il a pris cher. Après, c'est un 3 étoiles, donc à mon avis, il va aller vite. Ouais, c'est vrai. Il a que de bas. Voilà, il y a rien derrière. Une grosse utilité de Solarock. Ouais. Bon, le prochain tour, il est mort déjà. Tant mieux. Bah, c'était rapide. Yes. Spectromax. Il a rien. Défense, ok. Ah bah super ça. Ah. Ouais bah non. Pas envie de perdre du temps. Juste pour une petite animation. Ouais bah ouais. De toute façon, j'attaque pas avant. Donc... C'était l'avant-dernier à attaquer. J'espère qu'il. Il va rentrer maintenant. Parce que s'il rentre pas, j'ai le seum. Bah, s'il rentre, je veux bien te l'échanger au pire. Ouais, bah. Moi, je sais pas. Bah, je sais pas si je l'avais déjà. En vrai. Allez. Et de deux. Mais non, il est ressorti le mien. Bon, tant pis. C'est bon, je l'ai. Yes. Ouais, moi aussi, je l'ai eu. Ah bah, bien joué. Bien joué à vous. Tour de magie. C'est le nouveau nom de tour magique. Tour de magie et... Un tour magique, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? Voyons ça échange voir. Ton objet avec celui de l'adversaire. Ouais, inutile, quoi. Ouf, ouais. Nice, Ténéfix. Bon. Je vais regarder de mon côté s'il n'y a pas des trucs intéressants, mais bon... Putain, mais t'as des trucs intéressants chez toi, hein. Oui, donc, il me reste un excavarène, 3 étoiles, un desseignant et un fermite. Comment tu sais ça? Enfin, t'as été voir? Oui, je suis allé les voir. Ah oui, d'accord, ok. J'ai pas pifé comme ça, hein. Oui. Bah après, j'ai fini le jeu, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de gros Pokémon. Mais après, normalement, toi aussi, t'as fini le jeu, Thomas. Ouais. J'ai un raid K-pop. Je pense que c'est. Ah, bah, j'ai le fourbelin 4 étoiles sinon. Moi, bof. Ouais. Bah, Fermite, à la rigueur, ça peut être sympa juste Fermite, pour les DT. Ouais. Ouais, pour le bonbon. Moi, je vais le voir. Ouais. Bah, j'open Fermite. Putain, j'ai pas d'autres. Raid. Fermite est ouvert. Bon bah tant pis. Ouais, j'arrive. T'as en vue, ça peut être cool aussi à faire. Non, mais c'était un sauvage. Ah, dommage. Là, je vais voir ce que j'ai. Pas grand chose pour l'instant. Attends, je vais me TP ici, ça ira plus vite. Voilà. Oh, je suis tombé sur un truc rouge. Oula, un shiny, un shiny.
Quoi ? On a bien joué. Putain. What the fuck ? Ah bah super la réaction en vidéo. What the fuck ? Je pourrais faire un team bien putaclic, Nico, genre un shiny dans cette vidéo. Eh oui. Je suis pas prêt. Là, il a plus de Pokéball. Go Master Ball. Oh putain, non, j'étais pas prêt. Et qui est le shiny? Bon, ok. J'arrive. Mais c'est Torgamore. Je sais pas, il a pop devant ma tronche et... Putain, mais incroyable. Il est stylé en plus en shiny. Et pour les shiny d'ailleurs, quand on est 4, on peut avoir... C'est le même Pokémon ou pas? Oui. Alors, oui. Le même shiny ou pas? Et tu le vois dès l'apparition du raid. Ah oui, d'accord. Et pour les 4, d'un coup. Pour les 4. Oui. Ok. Putain. Ah bah excellent ça. Les raids en fait, ils sont prédéfinis. Ouais. Ouais, ouais, ok. Ça veut dire si tu sauvegardes devant le raid, à chaque fois t'auras le shiny. Je vais changer. Hop. Voilà. Bon, on va essayer de l'attraper, hein. Mais what the fuck? Tu veux qu'on t'attende pour le raid, Thomas, du coup, ou pas? Ouais, parce que ça m'intéresse. Ah ouais, ouais. Attends, Nico, je vais cacher le raid. Oui, oui, annule, ouais. Hop. Et là, c'est un. Et là, tu as eu un super shiny. Je vais regarder pendant ce temps-là ce que j'ai. Mais non, je voulais pas tomber sur ça. Non, moi, Arcana est mort. Oh non. Bah, t'as des rappels, t'inquiète. Ouais. Putain, mais. Oh. Est-ce que c'est un super shiny ou pas? Je sais pas. Mais il est tout vert. Ouais, ouais mais non, mais ce que je veux dire... S'il en fait, a si pas tu veux, il y a une animation de début. Il y a une animation de début au shiny et t'as deux formes de shiny maintenant. Enfin, deux types de shiny. C'est bon, j'ai... Shiny normal. Oh, bien joué. Oui, bien joué. Le GG. Bah, si... Attends, si quand il brille, il fait des petites étoiles, c'est un shiny. Si quand il brille, il y a des carrés, c'est un super shiny. Bon. En vrai, j'en sais absolument rien, j'étais tellement étonné. Ah donc, sa couleur, finalement, les super shiny, ils sont confirmés. Ouais, les super shiny, c'est confirmé, mais est-ce que c'est vraiment 1 sur 60 000 Ah oui, oui, oui. Bah, apparemment, c'est 1 sur 16 shiny, donc. Bon, bah, désolé, mais... je vais mettre le clip et j'arrive, parce que... Ah bah, t'as raison, t'inquiète. Ouais, vas-y. C'était totalement en random, genre, je regardais même pas devant moi, je vois Torgamore qui pop devant ma tronche, et il est shiny. Et après, ouais, Raph, il y aurait des moyens pour optimiser, pour avoir les super shiny, justement. Ouais, j'en sais rien du tout, ça, par contre. Attendez, je regarde le replay. C'est des étoiles, et à la fin, il y a des carrés, genre, je sais pas si ça change quelque chose. Ouais, bah si, les carrés, c'est... alors, les c'est carrés, un super shiny. Exactement. Bah, mais en fait, au moment où... Enfin, le premier truc, c'est j'ai des étoiles, et après, quand ça c'est revient, c'est le deuxième. C'est des carrés. Bah, c'est un super shiny. Bah... Ouais, mais je crois que comment ça s'appelle les super shiny sont plus faciles à rencontrer quand tu les quand tu fonces dans des Pokémon justement. Bah, si non ouais je sais pas si c'est vraiment. Je sais pas s'il y a vraiment une différence. Parce que... ouais. Non mais c'est sûr c'est des super shiny t'inquiète. Non mais parce que tu vois Raph, ceux qui font des trucs en neuf ils ont plus souvent les shiny avec les étoiles. Mais genre, ceux qui foncent dans des Pokémon, j'ai vu beaucoup plus de gens avoir les super shiny en fonçant c'est dans les Pokémon plutôt que les autres. Je vais sauvegarder. C'est ce que j'allais dire, je pense que... Je pense que, comment dire, le super shiny, c'est pas aussi rare que ça. Non, c'est juste que, ça se trouve, c'est rare de les avoir en neuf, mais en rencontre de quand tu fonces dans les Pokémon, c'est pas super rare non plus. Bon, du coup, tu lances quoi comme raid? Je lance un Fermite. J'arrive 30 secondes. Ah, qu'est-ce que t'inquiète, Thomas. J'arrive après. Putain, mais je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Ouais. T'en as déjà vu avant des shiny ou quoi dans le non, jeu? Non, c'est mon premier shiny du jeu. Ah bah d'accord, bah super. Et toi, Linkos, t'en as vu un? Non, vous le spoil pas. Chut. Ah. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais ben, parce que en fait, je comptais faire du oui, Masuda. Oui, c'est pas grave. Après, mais pas... je vois que pas besoin de faire du Masuda. Hein. Shiny vient à toi directement. C'est ça. Bon, du coup, Raid. Non, en vrai, t'aurais. Comment dire, si ça avait été vrai, Linkos, que t'aies trouvé un Shiny, j'aurais préféré que tu dises non. Ah. Comme ça, personne le sait. Mais toi, t'as dit non. Du coup, après, ça laisse le doute maintenant. Est-ce que c'est oui, un non-oui ou un non-non Fermi, t'es ouvert, du coup. Aïe, aïe.
Tant de questions. Ouais. Je refresh. Je moitié. Ah, c'est participer. Ah, tu viens pour finir. Okay, eh oui, c'est bon. Je vais défoncer le fermite de Choup. Bah, s'il a absentéisme, on va le défoncer. 1, 3. Ah 5. Ah, il peut avoir absentéisme, ce Pokémon, ok. Ouais, c'est son talent caché. Ah, changer de Pokémon. Du coup, s'il a absentéisme, c'est rigolo. Du coup, je l'ai renvoyé en échange miracle, et le but, c'est qu'il fasse le tour du monde pour revenir chez lui. Du coup, avis à tout le monde, si quelqu'un a un pélocroque qui s'appelle Morandimi, envoyez-le en échange miracle. Hein. Mais il va se faire relâcher au bout de 3 échanges, oui. Mais non. Bon. Allez. Oh là là, avec sa scuba ball. Parce qu'on peut le rendre sur un petit peu quand même. Mais parce que lui, je l'ai trouvé dans une antre qui était vraiment en plein milieu de l'eau. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait dedans. Dragon feu. Wouah, dragon feu. Eh oui, c'est dragon feu. Eh oui, le femme. Je vais pas lui faire grand chose, je pense, même avec. Il a zéro défense quand même, hein. Deux barrières. Ah, si pas sur, sur moi, Nico, pas sur moi. Mal. Non. Ah, je résiste. Ah, la fermeté. Non. Non, cette PV, cette PV. Ah. Non, pas encore. S'il le refaisait sur toi. Oh non, mais attends. Mais toujours plus d'attaque. Genre. Mais quoi, 3 fois de suite. Mais bon, allez, vas-y, tue-moi ça. Bon. Et surtout, il a fait tunnel en un tour. Oui, il a fait tunnel en un tour. Oui, non mais... What the fuck. J'espère qu'il a absentéisme. Ah, les défenses baissent beaucoup, c'est très absentéisme, bien. Absentéisme, c'est pas comme... Avec le feu, ça va pas... Limite. Mais quoi? Si, si, mais c'est le talent de mon attaque. Mais il me fait la tête. Il a pas fait l'attaque. Comment ça? Hein? Mais... Il est quel niveau? Il est peut-être trop haut niveau pour bah, toi. Elle est que niveau 50. Mais c'est ton Pokémon ou c'est un Pokémon échangé? Mais c'est mon Pokémon! Je l'ai attrapé, mais... Non mais... Ce disrespect. Mais en plus, je vais tous les jours dans le je vais tous les jours dans le Poké Camping et je prends soin de lui. Enfin, je sais pas. Bah, apparemment pas assez. Non mais... Mais qu'est-ce que c'est de ça? Je joue à la balle et tout ça, et il est pas content. J'éclipse au cas où il y a une info qui nous est échappée. Bah ouais, parce que bon. Pourtant j'ai tous les badges, je sais pas si ça va à quelque chose. Bah normalement si t'as tous les badges, t'es censé faire 100. Enfin, j'ai pas encore fait la Pokémon, ligue, niveau mais bon. 100. Mais bon, même si c'est. Comment ça s'appelle? Même si t'as qu'un seul badge et que ton Pokémon niveau 50, il est censé t'écouter puisque c'est ton ID. Mais pourquoi il a fait ça? Mais il voulait du curry, hein. Ouais, mais... Allez, il rate l'attaque. Mais quoi? Mais... Mais pourquoi? Mais arrêtez, là. Mais arrête, KO mais... d'un coup. Hop. Non, mais là... Mais peut-être parce que, comme le fermite est beaucoup trop haut level par rapport à ton montracite, bah, il a mais... peur. Bon, allez, je vous encourage. Voilà, oh, c'est n'importe quoi. Oh, c'est disrespect sur une vie fourmi. Non mais... C'est ton Scolosante qui a torche là? Oui. Ah mon dieu. Allez. Vas-y, j'en prie. Allez-y, allez, ouais. Regardez, je me suis fait victime. Merci, Raph. Mon de dieu. De rien. Putain. T'aurais pu faire ça tour 1, un peu tes dégâts. Ouais bah ouais mais j'ai pas pensé. Bon, y a intérêt que je le capture parce que bon c'est bon là. Fermite, je crois que je l'ai pas. Donc, non, du coup, je me suis barré. Oh il a donné vampirisme. Question, les sombres balles elles sont plus efficaces dans les raids ou pas? Vu que c'est. Bah en fait avec Raph on a potentiellement une théorie comme quoi la balle ce serait juste esthétique. Ah.
Mais après la sombre boule, comme c'est la nuit, tu peux avoir plus nuit, de chance. La nuit, c'est à partir de 20h sur le jeu. Hein. C'est à partir de 20h? Ouais, c'est 20h la nuit. Hein. Oh. Ouais, et 19h, c'est la fin de la journée. J'ai vu ouais. Ça. Bon, allez. Du coup, Raph, je sais plus si elle est saignante. Il y a peut-être des pop. Je l'ai capturé. Wouhou. Allez, et de 1. Et de 2. Vous voulez vous donner un surnom? Ah bah non. Bah, ok. Et de 3. Allez. Oui, c'est bon. Bah, Raph. Ouais. Des saignantes, il a des pop. Ok, c'est pas grave, parce que j'ai un raid. Ah. Alors, vampirisme, ok. Ah, je vais être bien, moi, pour... mes épisodes à venir, c'est très très bien. Bon, du coup, vous me dites quand vous êtes prêt là? Moi, c'est bon. Pas encore. Je fais vite fait un truc. Plus défense, okay. Speed, moins attaque speed, c'est très bien ça. Enfin, c'est ça celui que t'étais en train de reset, Raf? Oui. 4 IV. Tu sais que je vais pas l'avoir, hein? Oui. Bien sûr que je le sais. Oula, c'est pas une question ça. Ah, ça vaut tutrice. Okay. Est-ce qu'il y a pas de trail? Non. Du coup, c'est tu me dis quand c'est bon, Thomas. C'est Raph qui lance. Okay. Ok. T'as quoi, Raph? J'ai pas entendu. Un bon Pokémon. J'ai un raid. Ouais. Bientôt. T'as quoi, Raph? J'ai un raid. Ok, vas-y, je lance. Et je te mets le code 1357. Oui. Mais non! Putain. Oh! Un Araquoa! Putain. Lol. J'ai un code qui a pop. L'Araquoa pour Raph. Raph. Merci, Linkos. Non, attends, faut que j'attende que Linkos ait fini son Pokémon, sinon il verra pas. Ah, ok, c'est bon, il est fini. Est-ce que c'est un Pokémon avec lequel je vais pouvoir mettre la tempête de sable? Non. Mmh. Du coup, tu combat peux, plusieurs, Raph. Et c'est Tipar. Ouais. C'est Tipar. Ok. Quoi, Raph? C'est quoi ce truc? C'est alors, un truc de merde. Ah, c'est un charme. Ouais. Ça a l'air d'être ça. Et c'est Tipar. Ah oui, c'est un Charmeleon. De toute façon, Raph, il va le capturer. Hein. Oui. Bon, 5 étoiles, ok. Bon, tu passes T ou tu poses. Changer. Non, en vrai, c'est pas un bon Pokémon ce que j'ai. Je vais prendre. Qui? T'as intérêt à claquer des grosses crânes au. Bah en fait, il a beaucoup de défense P, il a pas beaucoup de défense, mais j'ai envie de prendre Ectoplasma. Pas beaucoup de défense, ok, bah je vais prendre Berserkat. Hop. Ouais, et moi j'ai envie de me la péter avec mon Ectoplasma. Moi je prends Exagide. Ok, bon là. Ah, bon choix. On est solide. Solide sur les appuis. Très très bon choix. Et là il est shiny. Ah, ce serait stylé! Ah, ouais, je le veux bien, shiny! Mais il est parfaitement normal! Oh là là, il est normal! Putain, c'est très excellent. Et en plus, on sait même pas quelle forme on peut avoir. Enfin, quelle forme Raph va avoir plutôt. Ah, ok. Bah oui. Pourquoi il y a des formes en plus? Bah, Charmy. C'est le Charmy? Charmy a 63 formes. Hein. Hein? En fonction de l'objet que tu lui donnes. L'heure, et si tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ah ouais, mais toujours plus aussi, là, je Petite question, vous attaquez sur le physique ou le spé? Moi, physique. Je vais attaquer sur le physique. Parce que j'ai grincement, si vous voulez. Ah, que c'est... Non, mais tranquille. En vrai, tape. Ok, bon, parce que les Gigamax, ils ont potentiellement une barrière qui empêche de les baisses de stats. Ah! Ah oui, donc, j'avais vu ça, je crois. Ouais. Ok. De toute façon, c'est un gâteau, tu crois qu'il va faire quoi? Ah, le giga. Yep. J'ai invoqué le tigre d'Aladin. Tu sais, c'est le truc quand tu rentres dans la bouche et tout. Là. Oui, je vois de quoi tu parles, j'avais la réponse. En vrai, ça m'a fait penser à ça aussi, hein, directement quand je l'ai vu.
Ah bah c'est, ça ressemble 100% à ça. Moi je m'augmente l'attaque spé, je sais que ça vous sert à rien mais. Non mais toi ça tu montes l'attaque hein. Ouais. Eh bah non. En plus ouais il se heal. Curgé Max. Bah juste après ça il va se heal. J'ai pas une bonne défense spé par contre. Imagine toi que c'est un. Comment ça s'appelle? Oh là là, mon dieu. Mais il se heal trop, genre. Bon. Comment t'appelles ça? C'est un vampire baiser en fait, en gros. Mais en plus puissant. Putain, mais. Mais en plus puissant, vu que c'est. C'était un coup critique, ça. Okay. Une attaque Gigamax. Oh là là. Oh le bâtard. Oh non! Ah là, ça va être. Et voilà. Hein. Comme quoi, j'ai bien fait d'utiliser mon spécial. Hein. Je veux toujours faire grincement, mais bon, on va péter le bouclier. Non, grincement. Mais non, fait grincement, ça marchera pas. Ça marchera vraiment pas. Bah, ça va dire la barrière de Charmillon empêche les boss de stats, donc quand même, genre. Bon, ça va, ça pète de trucs. En vrai, ectoplasma, c'est pas mal. Hein. Ah bah. Ça tape fort. Normal, hein. Oh nice. Ah oui, je suis débile. Oh, pas fait... mal. Oui. On a juste enlevé la barrière. Et on la remet. Mais ouais, mais bon. Oh. Là, il va se heal, c'est ça. Ah. Mais oui, sur Linkos. Sur moi, attends. Limite, il faudrait. Non, ça va. Oh, j'ai rien. Oh, il va rien se heal du coup. Merci la veste de combat. Hein. Quoi? Quoi? Il s'est rien dit là. Hein. Pardon. Ah, moi, j'ai rien perdu. Mais non mais. Il est mort, non? Ah bah oui. J'ai oublié de vous dire que son heal était fixe. Aïe. Alors Nikos là, si tu nous encourages, je compte sur toi pour péter la barrière. Bon. Mais ça fait deux je fois vous encourager de toutes mes forces. Allez. Ouais, que... Tu casses la barrière là, on gagne. Hein. Allez. Je vais faire un anti G-Max sur Thomas. Ouais. Hop. Allez les alliés, allez. Allez mes alliés. Ouais super. Résonne dans les environs. Oui bah. Voilà, c'est déjà bien ça. Putain, parce que parfois quand on encourage ça casse la barrière alors qu'elle est full, c'est plaisant. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, elle m'a enlevé mon up d'attaque, d'attaque spéciale. Ah, tendance. Il est joué. Éclat magique. Ça va. Qui se heal pas, c'est tant mieux en fait. Bah là, prochain tour, il est mort. Ouais, prochain tour, il est mort. Un Raph le tue, là. Ouais, non. Si j'ai pas envie, je le tue pas. Bah t'as qu'à faire... Ah mais non, t'es plus en gigas. Ouais, mais tu le tues quand même. Tu peux faire crâne de vague, on est tous de type acier. Ah, ouais. Ah... Bonjour. Je vais faire coup de jus. Mais Gengar, il a pas coup de jus. Je sais. C'est une blague. Mais. Ah, ah ça, oui. Mais... ah oui. Pas confiance en Raph, je pense. Mais non, mais c'est okay. Ça a aucun effet, t'es type acier. Ouais, puis mais... surtout, même Charmy, il passe les attaques passent à travers le abri. Bon, de toute façon, il est mort. Ouais, de toute façon, il était mort aussi, c'est pour ça que je l'ai fait. Allez, bien joué, Raph. Bon, est-ce que je l'attrape? Oui. Je vais lui envoyer une... Honor Ball. Bon, vous croyez vraiment que c'est esthétique? Enfin, moi, j'envoie l'Honor Ball, puisque je sais très bien que je vais pas l'avoir. Qu'est-ce que je disais? Oh non, le Pokémon s'est libéré. Charmy a disparu à l'intérieur de l'antre. Bon, allez, hop. Non, j'ai fait 3, il s'est libéré. Allez. Envoyez pas une bolo pour un non plus parce que. Ouais, parce que là c'était sûr qu'il sort quoi. Oh, bonbon XL, j'en ai eu trop. Eh ben, magique. Allez. Ah, bah il est ressorti d'un coup. C'est très très bien ça. Oh là là, oh non, pas ça, Linkos. Mais de quoi pas ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es ouf. Mais. Non, mais il feinte. Hein? Hein? De quoi? Et ça marche bien. Hein. Aïe. Linkos. Tu peux lancer, vas-y. Let's go.
Mais bon, si on perd, c'est de ta faute, quoi. Ben oui, C'est un peu évidemment. de la mienne non plus. Ouais, non, c'est pas de ta faute, Juste Thomas. en vrai. Non, mais je Tranquille, un croyais, misclic, ça genre, arrive. Là, il a pas misclic, du Raph, coup. je croyais que t'allais me dire, genre, ah non, Charmini, la psycho. Bah oui, la psycho. Bah, potentiellement. Bah ouais, il peut l'avoir en vrai, donc c'est pour ça que j'ai Bah hésité. là, Charmy, il doit être au niveau 56 environ. Non, Il a mais tout psycho. il a des attaques de merde. Là. Bah, attends, je peux te dire ce qu'il a. Non, à ce niveau-là, il a des attaques de merde, je te le dis. Quand je l'ai capturé la dernière fois, il en avait des nuls. Quand je l'ai capturé la dernière fois. Bah oui. Par contre, je vais pas lui faire beaucoup de dégâts, mais bon, tant pis. Non mais tu me saoules à tous les avoir en gigamas, Raph. Quoi? Arrête, laisse-moi la péter un peu. Bah, il a le droit d'avoir des Pokémon Gigamax. Eh oui, voilà. Enfin. Et sinon, à son niveau, il a pas d'attaque psy. Oui, psy. Il en apprend pas naturellement. Non, bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Mais de toute façon, il a des attaques de merde. Genre, il a une seule Piou attaque de. Oui, c'est piou-piou. piou. Ouais, bah j'ai lu piou-piou. Du coup, Putain, j'ai cru que c'était le mien qui était en Gigamax. Je me suis dit, attends, je l'ai mis en Gigamax. Ah, la défense des alliés. Très très bien ça. Ouais, sachant qu'il tape que sur le spécial. Ah, bah oui, c'est très utile. Bon, bref. Bah, s'il avait choc psy, ça aurait été utile. Et oui. Mais non! Allez, empoisonne-le. Non. Oh là là, il Non, veut se soigner. tu peux pas l'empoisonner quand il a la barrière. Ah, d'accord, bah je le saurai aussi. Et c'est toujours moi la victime, hein, c'est incroyable. Pour Tu peux, en fait, changer. tu peux rien faire quand il a la barrière. Mais à part des dégâts. Ouais, à part des dégâts, mais genre tu peux pas l'empoisonner, paralyser, tu peux pas faire quoi Il faut aussi? taper. Est-ce que ça enlève une barrière vitesse extrême? Bah tous les dégâts, Oui. ça enlève une barrière. Même si tu fais charge, ça enlève une barrière. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, par exemple, si tu lances une attaque Gigamax qui invoque la pluie, par exemple, s'il a une barrière, bah ça l'invoque pas la pluie. Enfin, Ah c'est ouais? plein de trucs comme ça, quoi. Ouais. Faut attaquer son spécial, les amis. Bien joué. Ouais, enfin bon. Mon Corvallis, il est meilleur que le tien, quoi. Ah, le mien, il est meilleur que le tien. Oh, il est chiant, ce mec. Et hop. Je crois qu'il récupère Oula, un attention. huitième de CPV à chaque pur G-Max. Je peux me les récupérer beaucoup trop. Attends, je vais tester Bon, un ça. truc, voyons voir. Oh. On va voir. De toute façon, il va peut-être être KO avant. Non, Ah, c'est pas dit, hein. Je vais baisser la défense spéciale en fait. Avec bombe acide. Bon, ça va pas servir à grand chose, mais bon. Alors qu'on tape quasiment tout sur le Il a physique. moins 4 en défense spéciale. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait ça, bon. Il a moins 6 en défense spéciale. On va attaquer sur le spécial, hein, ceux qui peuvent. De toute façon, je pense Ah. que deux têtes de fer après c'est fini. Ah, Ah, c'est considéré comme un genre de vibrasoin. Le Tu pur Max. G-Max, ouais. Bon, tu le finis du coup, hein, parce que t'es plus rapide que moi, je crois. Eh oui, parce que le mien est meilleur que le tien. Non, le mien il est pas EV. Ah ben voilà, bah comme par hasard. Mais le mien, sinon, théoriquement, il est bien meilleur que le tien. Quoi? Comment ça t'a... Voilà. T'as vu? Le mien, il est meilleur, parce que même sans les EV, il est plus rapide. Comment ça? Ça, c'est Eh mon oui, Raph. Pokémon. Bon, Je crois bref. que j'ai pas la nature. On va Bah le... alors, Raph. Vas-y, je vais l'attraper du coup, la Love Ball. Bon, vas-y, j'ai une masse ball là, il est gros le gâteau. Non mais non, mais utilise pas tes Pokéballs sur ça. Tu vas le louper avec la Mass Ball. Oh.
Oh là là, ah quelle bah surprise, il est sorti. Il est ressorti en ce temps. Allez. Allez, Linkos, tu le chopes. Je lance Linkos, ma Pokéball avec mes deux bras. Allez. Attention, pour il rentre vidéo, dans Linkos. La Pokéball. Il tombe, la Pokéball. Ah bah, il est ressorti d'un. Très, très bien. Il était à fond dedans et tout. Ah. Et non. Ouais, non, mais il faut pas être à fond pour qu'il rentre. 381. Ouais, bon. Bah, allez, moi je vais vous laisser là-dessus. C'était sympa. Ouais, bah, c'était très sympa. A plus. A plus, ouais, à plus, Thomas. À plus, Thomas. Bonne soirée. Bon, du coup, Raph, tu le veux ton gigalite de mort? On se calme. Gigalite de mort. Bon. C'est pas tout ça, mais moi je vais faire mon outro, hein, les amis. Loul. Et, ben, et voilà, ceci clôture la, la vidéo 45 de. Ouais, l'épisode 45. Incroyable. Mais. Cette clôture sur gigalite de mort, je pense que c'est très bien. Mais ouais, du coup. Comme je l'avais dit, je pense que vous verrez cet épisode et bien plus dans tôt moins d'une semaine. Bien plus tôt que les épisodes à venir, enfin que j'ai tourné avant quoi. Parce que vu que c'est un épisode spécial, voilà, autant le mettre. On le verra avant le prochain SCC. Oui. Bon, bref, on s'arrête ici. C'était Linkos. Bye tout le monde.